Bonjour, ici Steve Lauzon de LauzHockey.com. Je suis accompagné de Jean-François Lavergne, l'entraîneur-chef des Flames de Gatineau de la Ligue junior 3A du Québec. Cette saison, LauzHockey a le privilège d'avoir les Flames comme partenaire et ensemble, nous produirons des capsules, des articles et des exercices ou des drills, si vous préférez, qui seront publiés ici même sur le blog. Je vous invite à les consulter, à les utiliser, mais surtout à les partager. Alors, bonjour Jean-François, merci de ton implication. Allons-y dans le vif du sujet, soit celui qu'on voulait aborder cette semaine. Comment faire une approche au porteur en situation de 1-2-2? Si je me rappelle bien, l'exercice que tu vas nous présenter, ça fait référence à une situation où on retrouve la rondelle en fond de territoire et le F1 applique une pression sur le défenseur. Le défenseur, tant bien que mal, a réussi à faire une passe à son allié qui est le long de la rampe. Peux-tu nous expliquer à travers un exercice, c'est quoi les différents points clés que la défensive doit appliquer pour bien faire l'approche au porteur? Donc, tel que mentionné avec Steve, ce qu'on veut voir aujourd'hui dans notre premier exercice, en fait, c'est vraiment une situation d'approche au porteur. On a décidé d'aller vers une situation d'échec avant, une situation de forecheck. Donc, dans l'illustration de l'exercice, ce qu'on veut voir, en fait, c'est vraiment le rôle de notre F2 en forecheck qui doit réagir sur une situation de passe. Donc, pour l'exercice, ça va être important pour notre joueur défensif. Premièrement, d'avoir une bonne prise d'information, de juger la provenance, prestance, vitesse du joueur adverse, et de s'ajuster rapidement, de prendre une bonne prise d'information. Ensuite, d'orienter le porteur de la rondelle vers la bande autant que possible et d'avoir un bâton actif avant d'essayer d'appliquer une mise en échec. Donc ici, pour le biais de l'exercice, on va avoir un défenseur positionné ici sur le point de mise au jeu. Donc, au départ, ce qu'on va demander au défenseur, c'est de se déplacer vers l'avant, donc un départ avant, en direction de l'entraîneur. Au moment où ce que l'entraîneur va placer une rondelle en coin, le défenseur va faire sa transition, un pivot rapide vers la rondelle, bonne prise d'information au niveau de la pression adverse. Donc, on va venir récupérer une rondelle en bas ici. On a notre attaquant ici qui va descendre, qui va venir donner une option de passe sur la bande. Et on va avoir notre joueur ici qui va venir effectuer son approche au porteur. Donc, ce qu'on demande à ce joueur-là, c'est de réagir sur la passe. Donc, sur la passe défenseur, ce joueur-là va réagir, va venir prendre une approche au porteur ici en angle, va s'assurer de contenir le jeu du côté de la bande ici. Sur la passe, on va lui demander de venir diminuer l'espace rapidement. On va lui demander d'avoir son hockey dans le centre de la glace. Pour de cette manière-là, on coupe l'accès à la zone centrale. Ça devrait être le point clé numéro un, en fait, c'est de bloquer le centre de la glace. Garder le jeu du côté de la bande ici, forcer le joueur à patiner le long de la bande, venir diminuer l'écart ici en mettant une pression palette à palette sur le joueur en défensive, sur le joueur en offensive, pardon, et de venir diminuer l'espace jusqu'à temps qu'on soit capable d'appliquer un contact physique ou la mise en échec. L'approche au porteur, une tactique importante que vos joueurs se doivent de maîtriser. Assurez-vous d'intégrer régulièrement des exercices de la sorte dans vos entraînements. Vous trouverez l'exercice en format PDF et Drill Draw dans la description du vidéo ci-dessous. J'aimerais remercier Jean-François Lavergne et toute l'équipe des Flames de Gatineau pour la collaboration à cette capsule, ainsi que Alain Filiatro et toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de celle-ci. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lauzhockey.com et merci de partager.